Le feu s'est déclaré aux environs de 5h du matin dans la famille Camara au quartier Cité des Lères, commune de Matoto. Tous les habitants profitaient de leur sommeil. J'ai vu l'incendie sur la maison. J'avais vu des gens qui jetaient de l'eau et le sable. Donc, toute la maison avait pris du feu et rien n'était sorti. Un court-circuit serait à l'origine de ce désastre. Grâce au concours du voisinage, le pire a été évité. Les enfants ont été sauvés des flammes, mais le feu n'a pas été maîtrisé. C'est le petit qui avait vu le feu. Il est venu alerter sa maman. Tu vois, quand elle a averti sa maman était troublée. Elle est même sortie de laisser les autres enfants derrière. Tu vois, c'est maintenant les voisins qui sont venus prendre les enfants pour les faire sortir au dehors. Les sapeurs-pompiers arrivés en retard parviendront à éteindre le brasier. Les victimes sollicitent de l'aide de l'État et de bonne volonté. Nous avons tout perdu. Que l'État nous vienne en aide, particulièrement le général Toumani Sangari de la douane nationale. Dieu merci, grâce à l'aide du voisinage, le feu a été éteint et il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il y a eu des dégâts importants, mais nous comptons sur les autorités du pays et des bonnes volontés. Les incendies sont devenus récurrents à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Malgré de multiples interpellations de l'État par les populations, les services de protection sociale peinent à être disponibles partout, à temps.